Mon cher Juan, mon cher Corentin, voici donc appelé à devenir diacre et prêtre de notre Église. Le diocèse de Quimper et Lyon rend grâce à Dieu pour votre appel et votre envoi en mission. C'est le corps tout entier de l'Église qui vous a porté jusqu'à ce jour et qui vous entoure encore aujourd'hui dans cette cathédrale où nous sommes si nombreux. Oui, l'Église vous a porté avec patience et fermeté tout au long de votre vie. Elle vous a accompagné à travers l'amour et les soins de vos familles, que je salue et que je remercie en notre nom à tous. L'Église vous a soutenu par ses éducateurs et ses mouvements de jeunes. Elle vous a permis de rencontrer le Christ, Maître et Seigneur de nos vies. Elle vous a transmis l'appel du Seigneur à différents moments de votre cheminement, en particulier par les prêtres qui ont été pour vous des signes du ministère apostolique et des frères aînés dans la découverte de votre propre appel. C'est encore l'Église qui, à travers les formateurs et les communautés de vos séminaires, vous a porté durant ces années où vous êtes préparés à être ordonnés. L'Église vous a fait découvrir, comme vous l'a rappelé la première lecture, qu'avant même que vous ne soyez formés dans le sein de votre mère, Dieu vous connaissait. Qu'avant même que vous ne veniez au jour, il vous avait consacré. Et aujourd'hui, le Christ fait de vous un prophète pour les peuples. Il vous envoie vers tous pour dire ce qu'il vous ordonnera de dire. Et il met ses paroles dans votre bouche. De tout cela, frères et sœurs, avec Corentin et Juan, nous voulons rendre grâce et remercier le Seigneur qui continue aujourd'hui comme hier à appeler des hommes pour qu'ils se consacrent totalement à lui. Mais en France, comme dans d'autres pays occidentaux, nous sommes confrontés à une épreuve. Le petit nombre de ceux qui répondent à cet appel pour être prêtres. Avec courage, notre Église se mobilise pour faire face à la situation que nous connaissons. Elle s'efforce de comprendre à quoi l'appelle le Seigneur par cette réduction du nombre de prêtres. Et elle se dépense pour être fidèle à sa mission en toutes circonstances. Cependant, elle pourrait aussi se sentir lasse et se décourager. Et pourtant, comme les apôtres, malgré tout ce que nous avons reçu, malgré la certitude intellectuelle que c'est le Christ qui nous sauve et qu'il n'abandonne pas son Église, nous sommes désorientés, inquiets, sceptiques, découragés peut-être, quand nous sommes face à nos incapacités et à nos faiblesses. Mon cher Corentin, mon cher Juan, ce qui vous est demandé dans le ministère qui va vous être confié par votre ordination, c'est précisément ce qui se passe dans cet évangile. Dans la vie de l'Église, les moyens et les actions semblent toujours dérisoires par rapport aux moyens. La phrase de Jésus nous rappelle que tout vient de Dieu, que tout est don. Vous êtes appelés d'abord à vous redire chaque jour que ce n'est pas vous qui agissez, que ce n'est pas vous
par vos seules forces, votre seule intelligence et votre seule générosité, qui fait progresser le royaume, mais que c'est d'abord l'action du Christ. Vous êtes appelés à croire que Jésus sait ce qu'il fait, même quand il semble laisser son Église dans une plus grande faiblesse. Vous êtes appelés à faire entrer dans l'espérance ceux qui vous seront confiés, et à y entrer vous-même. Et vous êtes appelés, comme les apôtres, à faire confiance au Seigneur et à lui obéir. Il ne s'agit pas d'entrer dans un providentialisme béat, mais dans la foi et l'espérance. Il vous a bien appelé à collaborer à ses côtés, mais c'est lui qui multipliera ce que vous êtes et ce que vous avez. Dans l'évangile que nous avons entendu, Jésus a demandé 6 choses à ses disciples. Nourrir les foules, apporter le peu qu'ils avaient, faire asseoir devant lui ceux qui étaient en attente, distribuer ce qui venait de lui, ramasser ce qui restait et affirmer qui il est. Erwan, Corentin, entendez ces demandes qui relèvent toutes, qui nous révèlent toutes le primat de la grâce sur ce que nous pouvons envisager ou faire. Obéissez au Christ en ne désertant pas les enjeux de notre temps. Obéissez-lui en mettant à sa disposition le peu que vous avez et surtout ce que vous êtes. Obéissez-lui en aidant ceux qui vous seront confiés à s'asseoir devant lui pour l'écouter et découvrir son amour. Obéissez-lui en distribuant ce que vous recevrez de lui et que vous aurez sans cesse à rechercher dans votre prière et votre réflexion, en vous souvenant que si c'est vous-même que vous voulez distribuer, vous ne donnerez pas grand-chose. Obéissez-lui en croyant que rien n'est gâché de ce que vous aurez donné. Obéissez-lui en recherchant toujours plus qui il est, en le découvrant à travers les communautés vers lesquelles vous serez envoyés et en proclamant sans cesse autour de vous: il est le Christ de Dieu, le Sauveur de l'homme, le Sauveur de tout l'homme. Encore une fois, croyez au primat de la grâce avant l'efficacité de votre propre action. Peut-être est-ce ce que Dieu veut nous rappeler dans ces temps difficiles. Peut-être veut-il nous faire comprendre que nous avons à compter toujours plus sur lui et que notre pauvreté nous y contraint. Peut-être veut-il nous faire comprendre que nous avons à grandir dans la foi. Puissiez-vous comprendre, comme les apôtres, que c'est lui le Christ qui donne, qui guérit, qui sauve. Je le sais, ce n'est pas si facile. Et moi-même, en vous y exhortant, je mesure sans doute mal tout ce que cela veut dire et tout ce que cela implique. Mais entendons la parole de Paul aux Corinthiens: nous ne connaissons plus personne à la manière humaine. Si nous avons compris le Christ à la manière humaine, maintenant, nous ne le comprenons plus ainsi. Entrez dans la logique de Dieu et soyez les ambassadeurs du Christ. C'est dans cette union toujours plus fidèle à lui que vous comprendrez ce qu'il veut et comment mettre en œuvre sa volonté. Avec vos frères prêtres et diacres qui vous entourent, avec les fidèles du Christ qui sont là, c'est ce que je vous souhaite de tout cœur.
Et maintenant, frères et sœurs, je voudrais m'adresser aux jeunes de notre assemblée. Chers jeunes, vous avez été nombreux ce matin à vous retrouver en l'église Saint-Matthieu pour préparer cette ordination. Vous avez été sans doute aussi nombreux à vous retrouver hier soir pour prier dans une veillée, pour préparer vos cœurs. J'espère que cette célébration vous remplit de joie et peut-être aussi d'admiration. Mais les prêtres, les diacres et les séminaristes ne sont pas des objets à admirer dans une vitrine. Nous sommes des maillons d'une chaîne qui s'étire depuis la multiplication des pains et le dialogue de Pierre avec Jésus et qui se continue aujourd'hui. Chers jeunes, les prochains maillons de cette chaîne sont parmi vous. Je ne sais pas qui ils sont. Peut-être eux-mêmes ne le savent-ils pas encore non plus. Je ne vous demande donc pas de vous décider tout de suite. Ce que je vous demande, chers jeunes, c'est de développer votre vie de prière et votre dialogue avec Jésus. D'écouter ses questions et d'y répondre avec générosité et confiance. Si vous le faites, j'en suis sûr, dans quelques années, certains d'entre vous auront accepté de se mettre à la suite du Christ et ils deviendront les prêtres du Seigneur pour le bonheur du monde. Et vous tous, frères et sœurs, ne vous découragez pas. Continuez de demander ardemment des vocations pour notre diocèse. Sûr que le Christ nous entend et saura multiplier les pains pour notre temps. Que cette ordination nous aide tous à nous tourner vers ce Dieu qui est source de tout bien. Avant le miracle de la multiplication des pains, Jésus leva les yeux au ciel pour bien signifier tout vient le don. Et à la messe, le prêtre fait souvent ce geste dans le même but. Nous aussi, pour répondre aux appels de notre temps, levons avec confiance et avec foi les yeux vers le Père, car c'est de lui que tout vient. Amen.